Et salut tout le monde, c'est BurryDay, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, et on est surtout sur Xbox One S. On est sur un nouveau jeu, donc Black Desert, qu'on va tester. Par contre, j'ai eu des petits soucis avec l'enregistrement de la voix. Donc là, en fait, je suis en train d'enregistrer, alors que le jeu est déjà enregistré en fait. Enfin, j'ai en train d'enregistrer ma voix en tant que... comment dire, en mode je suis obligé de regarder ma vidéo, et voilà, commenter ce que j'ai déjà fait. Du coup, ça va être un peu chiant, mais bon. Je pense que je vais faire, c'est que je vais avancer le jeu en rapide, parce qu'en fait, on va être au début en mode création. Donc là, je vais mettre les images en rapide, comme ça ira assez vite, et comme ça, j'aurai eu le temps de vous montrer autre chose que la création de personnages. Donc voilà. Juste ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport à la création de personnages. La création de personnages est juste énorme. Les choix multiples sont énormes. Franchement, c'est la première fois que je joue à un jeu où il y a autant de choix de personnalisation dans un personnage. C'est assez. Comment dire? Je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de choix en tout cas au niveau de la création de personnages. C'est assez. Je cherche le mot, mais je sais pas, j'arrive pas à le dire. Fait chier. Mais c'est pas grave. Du coup, voilà, on va avancer donc les images. Là, je pense que je serai en train déjà de les avancer. Vous serez sûrement en train de voir déjà le personnage qui se fait tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un peu un enregistrement un peu à la volée, hein. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais dire. C'est un peu plus facile quand on a les images devant soi. Là, c'est la première fois que j'enregistre comme ça, donc c'est un peu chiant. Que dire à part que j'ai pris une femme pour le personnage, qui est d'ailleurs magnificos. Vous verrez le final. Sinon, voilà. Nous allons donc commencer le jeu après avoir terminé la séquence de la création du personnage. Malheureusement, vous ne la verrez pas au ralenti. Mais c'est pas grave, comme ça on se dira direct sur le jeu. De toute façon, je ferai peut-être une vidéo tutoriel sur la création de personnages. Enfin, tutoriel. Je vais pas abuser non plus, ce sera pas tutoriel, mais ce sera comment. Je vais vous montrer comment la création de personnages dans ce jeu a été faite. Et c'est plutôt pas mal, pas mal du tout. Bon, en tout cas, on va se retrouver tout de suite pour le jeu. Le jeu. Qui s'annonce plutôt sympathique. Et cette fois-ci, on aura les commentaires, enfin mes commentaires en direct. Comme ça, il n'y aura pas de monologue ou je sais pas quoi. Donc tant mieux. Donc à tout de suite. Donc après la création du personnage. Et salut tout le monde, c'est BurryDays. Mais non. Y a pas d'intro, c'est vrai, j'ai oublié. Continue le jeu, c'est vrai. Bref, c'est toujours Burry Days, effectivement. Mais on va continuer Black Desert parce qu'on va pas faire une autre vidéo. Comme je vous ai dit, l'enregistrement est un peu cuté au niveau de l'audio et tout ça. Donc on va repartir juste après qu'on ait fini le personnage. Donc voilà. On va chargement, ok. Par contre, j'espère qu'on va reprendre. Au tout début, parce que j'avais un petit peu avancé, mais enfin avancé, j'avais commencé la cinématique, mais bon, oui, ok. Poste de garde ouest, what? Dis-moi que j'ai pas sauté les images, enfin les cinématiques. Mais dégage, pas. Je me saoule, dégage. Tiens, mon PC commence à être blindé là. C'est chiant. J'espère que j'aurai pas de problème dans cette vidéo. Ça me fait chier. C'est vraiment. C'est compliqué quand même d'enregistrer avec un logiciel qui est pas forcément. Super super. Mais bon, j'ai pas pleuré, je l'ai eu gratos donc. Enfin gratos. Je l'ai eu avec le boîtier d'acquisition.
Lavermedia. D'ailleurs, si ça intéresse, j'enregistre avec Lavermedia Live Gaming. Live Gamer Ultra. Un truc comme ça, je crois. C'est... Attendez, je vais regarder. Live Gamer Ultra, ouais, c'est ça. Donc voilà. Après, je regarde un truc là. Pourquoi il est rouge en fait? Je suis novice encore, hein. J'essaie de comprendre certaines choses. Ah, si on a les cinématiques. Ok, je vais me taire. Sorry, but you should have known better. Ah, un contrat. J'ai enfin, tu es enfin, j'ai longtemps attendu l'heure de ton réveil. Je vais t'aider un peu, alors essaye de bouger. Tu n'as pas oublié notre accord, n'est-ce pas? Je vais t'aider un peu. Ok, utiliser L, LS pour vous déblaser. Peux-tu ressentir... Oh là là. Tu es plus rapide que je ne l'aurais cru. Tu peux courir en utilisant LS. Maintenant, ok. N'oublie pas que toi et moi... J'ai pas le temps de lire, c'est pas grave. Ok. Ok, il est grand temps de s'échauffer. Utilise LS. Ok. Ok, pour atteindre ta destination. Bah, elle est où ma destination? C'est où? C'est ça? Je pense que c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Par contre, graphiquement, il est l'air pas mal du tout ce jeu. T'as juste dans ma gueule en fait. Ah, ça va. Je croyais qu'elle allait changer maintenant. C'est jamais, hein. Alors, étagère commune. Ok, faut rester appuyé. Alors, une étagère commune, vous trouverez peut-être quelque chose d'utile si vous regardez de plus près. Ok. Ok. Flèche de gauche pour tuer sa potion. Bon travail, je vais t'apprendre autre chose maintenant. Si tu as besoin d'aide, appuie sur... Flèche de bas. Ok. Alors, le début d'une aventure. Il était temps, je commençais à me demander si j'avais choisi le bon hôte. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tu ne te souviens pas de moi. Tu avais promis que tu ne m'oublierais pas. Eh bien, heureusement que ça ne posera pas trop de problèmes. Tes souvenirs te reviendront sous peu. Hey. Rien t'attend dehors. Je vais aller me cacher. Va donc parler à cette personne. Ne t'inquiète pas. Personne d'autre que toi ne peut me voir. L'esprit occulte vous dit d'aller parler à Aidan, qui est en train d'attendre dehors. Ok. Accepté. Nouvelle quête. Le début d'une aventure. Oui, c'est génial. C'est lui, Aidan? Ouais, c'est lui. Alors, on va voir comment ça se dégoupille tout ça. Well, I've investigated ruins across the continent. I study ancient artifacts. Everybody says they're experts. What could you possibly do by yourself? Huh. I didn't come here alone. I'm with an ancient language expert and some quality excavators. You stand before Princess Jarrett. You must mind your...
I'm sorry, adventurer, but I can't really trust you with a job this important. Return where you came from. No, thank you. Look, I discovered this gemstone in the Valencia ruins. It was verified as authentic by the Imperial Court. My goodness, isn't this a gem of balance? They say it concealed the dark power. I never thought I would see one in my lifetime. So is this something that Sir Jordian is looking for? Fine. You are in charge of the Stone Chamber investigation now. A fortnight. That's how long I'm giving you to figure it out. Huh. It'll be much sooner than that. Mm-hmm. Il est sûr de lui. Alors, j'ai entendu des rumeurs, mais il est vraiment difficile de satisfaire cette princesse. Oh, tu es réveillé. Comment tu te sens? Move towards the light, even in the darkness. Tu as l'air confus et désorienté. Tu es à Balenos, au poste de garde ouest pour être précis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu es en sécurité ici. L'esprit occulte vous dit d'aller parler à Aidan. Ok, c'est cool. Quête accomplie. Experience will show you the way. Au début, je pensais que tu étais un aventurier ou mercenaire. J'ai bien vu à tes vêtements que tu n'étais pas un fermier. Peut-être que tu t'en souviendras quand tu auras récupéré. Va trouver l'instructeur Armstrong. Et s'y connaît bien en compétences de combat, il est également très généreux et t'aidera pour tout ce dont tu as besoin. Aidan vous a présenté l'instructeur. Ah, l'instructeur 1, ok. Ok, bro. Let's go. Ouais, c'est cool, j'ai compris que t'étais Aidan. Hein. C'est bon. Il est là. Mr. Armstrong, instructeur de compétences. Obsession with one's heyday is for the ordinary. You need to learn good. Enfin debout, haha. On dirait qu'Aidan a réussi à te tirer de ton sommeil. Tu n'aurais pas pu mieux tomber. Un coup de main est toujours la bienvenue. Le capitaine Cliff vient d'émettre un ordre de mobilisation des mercenaires. Quoi? Tu ne t'en souviens pas? C'est pas grave, je peux t'aider avec ça. Je vais te remettre sur pied en un rien de temps. Au revoir. Ah, nous y voilà. Je pense que cette compétence ira parfaitement avec ton armure. Allez, viens par ici. Il te suffit juste de me suivre. Aidan vous a présenté... Nanana. Ok, c'est cool. You can also improve your skills. Alors, by using energy. On a retour, apprentissage de compétences et conversation. Ok, on va quitter. Alors, étape 1, utiliser RS pour basculer entre la posture au repos et la posture de combat. Ok. Attaque principale RB. J'ai fait RB là. Oui, je fais RB. Idiot, tu ne comprends donc pas que maintenir le bouton français est bien plus efficace. Eh ben, il va me le dire plus tôt, tête de bite. Griffe de l'obscurité. Oula, énergie sinistre. RT. Dark crépusculaire. LTRB. Essaye d'enchaîner ses compétences. Eh bon, travail, je vais t'apprendre autre chose. Hein. Si tu as besoin d'aide, appuie sur flèche de bas pour m'appeler. Ok. Comment tu te sens? Tu es bien à l'aise?
Ah, on dirait que tu n'es pas encore au courant, mais ces instructeurs est différent, non? Ah, mais cet instructeur est différent. Il a l'air très satisfait de tes efforts à l'entraînement. L'esprit occulte vous dit d'aller reparler à la structure d'instrument. Ok, bro. Enfin debout. Ok, c'est pour terminer, d'accord. Captain Cliff is admirable. Following his command is an honor. Il y a beaucoup de lectures, hein. Ça me fait chier. Faut que je parle à beaucoup de monde, ça me fait chier. Finish getting ready for combat in Western Camp. Salut Jamie. Yeah. C'est Jamie. We never lose pride. There's a rumor that trees are moving in the deep forest in the south. Battre les soldats et frites. Ok. Ok, ça marche. Ah bah c'est parti. Il y en a plein partout en fait, c'est ça le truc. C'est ça? Ok, c'est ça. Ça, c'est suffisant, hein? Ou quoi? C'est quoi ça? Herbe de sauvage récolté. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Eh oh! Non, mais oh! Laisse-moi récolter mes herbes sauvages, bordel! Sans vous, ça là. Hello? Charlotte? Ah d'accord, en fait moi je m'appelle Burry Days, Burry Days, d'accord. Ouais, j'aurais pu m'appeler autrement, hein, c'est pas grave. Pénétrer dans une zone sûre, putain. J'ai quoi une minute là d'ailleurs? 15 minutes? Ah mais j'en ai pas vu assez. Un test de compétence, peut-être terminer, vérifier les... Je suis perdu là. Esprit occulte. Ah mais j'ai réussi en fait. C'est quoi ça? Potion consommable. Accompli.
Par contre, il faut jouer. Ouais, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce menu de pause? C'est un menu de ouf. Guide clé d'opération. C'est quoi ça, guide clé d'opération? Ah, ok. Est-ce qu'il y a un bouton pour se protéger ou pas? J'ai pas l'impression. Mais c'est marqué juste action. Action spéciale, ok. B et X, les actions spéciales, d'accord. Sprint, ouais. Et B, ok. Quelques petits trucs quand même là. Cure. Bon, pour l'instant je comprends pas tout hein. Normal, en même temps c'est un MMORPG, il y a pas mal de trucs à apprendre. J'avoue que là, je suis un peu paumé pour l'instant. Sans botter le cul. Bon, est-ce que c'est bon là? Ok. Encore? C'est une blague. Mais il y en a combien à buter là-haut? Il faut que j'en bute combien? Ah bien! Ah, ça c'est bien ça! Ah ouais!
Je suis sur les flèches, ce sera plus facile. Oh, trop bien, je peux nager et tout, mais c'est stylé. Mais il est trop bien ce jeu. Hein? Comment je fais pour. Par là. Non, je peux. Non, je peux plonger tout! Arrête! Oh, le jeu de ouf! Mais il est trop bien ce jeu. Comment on fait pour remonter? Ok. Voilà. Elle est où la flèche là, que j'avais tout à l'heure? Plus là ou quoi? Ah, merde. Où j'ai fini? Ah non, j'ai pas fini. Putain, ça fait chier. Et faut que j'aille où? Bordel. J'ai pas d'endurance qui est en bas là. Ah non, j'ai fini, vaincre un groupe d'effrits terminé. Bon, attendez, on va retourner au machin parce que. Ah si, j'ai un truc enfin. Ah si, il y a une flèche là. Ah, mais faut que je retourne au village en fait. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut que je retourne au village. Ouais, ça doit être ça. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a combien de minutes là? 24, alors je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fera une bonne grosse vidéo déjà. Et pour l'instant, j'aime plutôt bien, même si c'est assez. Je pense au début ça va être très compliqué pour moi. Parce que j'ai pas trop l'habitude de jouer à ce genre de jeu, donc voilà. Mais j'adore ce genre de jeu. Faut juste être patient quoi, c'est tout. J'ai entendu leur cri jusqu'ici, tu les as montrés à ces effrits. Ok, c'est terminé, c'est bon. Ok, en fait, j'ai le choix de prendre un ou l'autre. Okay. We never lose pride. Alors, grâce à toi, la situation à la porte de l'ouest s'est nettement améliorée. Comme promis, j'enverrai personnellement une lettre de recommandation à la princesse. Elle ignore la plupart des lettres. N'importe quoi. There's a rumor that trees are moving in a deep forest in the south. Ok, bon, ça sera la prochaine mission alors, la princesse maniaque. Je vais devoir parler à la princesse, mais ça on verra lors de la prochaine vidéo. On va s'arrêter là pour cette vidéo aussi, en espérant qu'elle vous aura plu. En tout cas, début intéressant, même si j'avoue que je suis un peu perdu, mais ça. C'est pas très grave, on verra ça en jouant au jeu, comment tout ça se dégoupille, parce que voilà, ça n'a pas l'air évident, mais il a l'air très très intéressant, comme je l'avais pu le remarquer à l'E3 dernier. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, on fera la suite en espérant très prochainement. Comme vous savez, j'ai pas mal de jeux à faire, donc j'ai un peu coupé maintenant entre la Xbox et la Play. Ça va être un peu chaud, mais bon, on va essayer, on verra bien. Et même si avec mon boîtier d'acquisition, c'est pas toujours. Pour l'instant, c'est pas super, parce que je galère un peu à le faire marcher, mais bon. Ah, c'est tout le logiciel en fait qui merde, mais bon, ça c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouvera pour la suite très prochainement. Donc, sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine.